Non, mais ça m'a l'air un peu trop facile, ton truc. Et c'est pour ça qu'on va pas attendre que ça nous file entre les doigts. C'est samedi ou jamais. Alors, t'en es ou pas? Allez, j'en suis. Bon, je vais faire une photo de l'aventure. Tiens, prends la pause, ça va faire touriste. Ouais, la seule issue possible, c'est l'entrée principale. Alors, vu le blindage de la porte, franchement, je sèche. Enfin, Basile, tu vas pas me dire que t'es pas foutu de crocheter cette porte, quand même. Non, mais ça n'a rien à voir. Tu les connais, ces portes. Et, vu le système d'alarme, on n'aura pas fini qu'on sera déjà en tôle. Tu la vois, cette cour intérieure? Ouais. Bah, elle est là, notre porte d'entrée. Oui, mais attends, on y accède comment, là? En passant par le toit? Non, mais... Réfléchis. Il y a des fenêtres, elles donnent sur l'immeuble d'à côté. Ouais, ici, là. Voilà. Bon, bah, trouver un digicode, c'est pas compliqué. Ça, d'accord. Et puis après, ben, il y a quoi, 3-4 mètres à tout casser. C'est toi qui saute. Mais Michel, on n'a plus 20 ans. Écoute. T'as trouvé, toi. Hein? Ah, je sais quand t'as flairé quelque chose. Allez, balance. On va prendre un petit jeune. Le gamin du fond du couloir. Oh, fais chier. La clé. C'est une merde. Attendez, bougez pas. Je vais vous aider. Celui-là? Non, mais tu te rends pas compte? Mais tu sais quoi sur lui? Bah, il est là depuis 15 jours. Il paye en cash. Il parle pas beaucoup. Un taiseux. Mais c'est parfait pour nous, ça. Un taiseux acrobate. Oh, ouais, bravo. Bon, mais... Tu vas faire comment pour le mettre dans la combine, ton gamin? Faut lui vendre du rêve. $5,000? Et je dois faire quoi pour ça? Eh ben c'est ça qui est beau, rien du tout. Enfin, peut-être un petit peu d'escalade. Et n'oublie pas l'alarme. C'est maintenant qu'on va voir ce qu'il a dans le ventre, ton poulain. Il va y arriver. C'est quoi ces conneries? Bon, écoute, tu restes là, tu finis de remplir le sac et on décolle.